Hey yo tout le monde, c'est Claude153 sur Un Mec Games et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sachant que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas sorti. En même temps, je suis en première maintenant, donc j'ai vachement plus de boulot, donc j'ai moins de temps pour moi. Et puis j'avais pas trop un motif en ce moment, mais là on se retrouve sur un nouveau jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. Vous avez peut-être entendu parler, c'est Unturned. C'est un jeu un peu à la Minecraft, mais genre zombie, c'est un peu chelou, c'est très mal fait. Je vais vous montrer, le personnage ressemble à ça. Voilà, c'est très crade, mais bon, c'est pas grave, franchement, ça reste un bon jeu. Je vous montrerai, je ne suis pas seul, je suis avec Val, on va jouer tous les deux sur un serveur, et on se retrouve tout de suite quand on se connecte, et on commencera réellement la vidéo. Allez, à tout de suite tout le monde. Et voilà, on se retrouve sur Unturned, en compagnie de Val. Bonjour Val. Bonjour. Oh putain, je suis à côté d'une ferme, ma gueule. Eh, moi je suis à côté de l'aéroport là. Oh putain, on est tard, pas loin. Alors on se retrouve sur Hunter, bon, jeu zombie, je vous présenterai tout en cours de vidéo. On va faire une grosse session de 1 ou 2 heures. Et je ferai. Putain, ta gueule. J'ai pas envie de mourir moi, attends. Ah bah ouais. Et le but déjà ce sera de se retrouver parce qu'on va essayer de survivre à deux. Et c'est trop la merde, enfin pour lui en tout cas, parce qu'il a, il a un endroit qui est assez chiant parce qu'il y a juste. Mais niquez-vous, ouais. Mais c'est. Alors, non, mais... c'est parti. Ah, d'ailleurs, j'ai appris un truc. Ouais. Tu sais que j'ai réussi à avoir une voiture avec 100% de fuel. Non. Si. Allez. C'est trop simple en fait. En fait, gars, tu prends un bidon. Oui. Tu le vides dans la voiture. Et ensuite, tu vas soit à une borne d'essence, soit tu vas dans les grosses citernes blanches là. Et bah voilà, et tu les remplis dedans en fait. Les trucs qu'on se disait, ouais, ça se trouve ça explose. Ouais, voilà ça, et bah je suis devant une là justement, et avec ça, bah on peut remplir les bidons à l'infini. Dis-moi, t'es tout nu ou pas toi là? Ouais, je suis tout nu. Ah. J'ai pas de stuff et tout, bah normal en fait, je suis jamais venu sur le serveur là, avec ce perso là. Enfin, ce perso là. Yes, cabbage. Moi mon gars, je suis tellement déçu, genre j'avais un véhicule, il avait 14% et puis je suis mort. Ah. Bon bah vous avez pu voir oh putain, il y a pas d'arme ici. Un zombie, bah là il y en a un deuxième, attendez. Putain gars, je me frite contre les zombies en mode coup de poing. Alors ça lag, j'ai des sales bugs de. Bon, ça c'est facile de les tuer. Mais ouais, j'ai des sales bugs, genre les zombies ils arrivent pas trop à avancer vers moi, ils font du surplace. Ou alors ils bougent pas. Voilà. Là il est censé venir vers moi. Oh ouais. Oh bah easy alors, je te prends une. Aïe aïe, ah non il m'a frappé. C'est pas très gentil de sa part. Alors ça va être hyper simple alors. Putain. Ouais, mais désolé, on a des connexions vraiment à la con, donc ça, les petits villages. Oh ta gueule. Oh merde. Oh oui. Oh ça. Oh bâtard. Moi je trouve. Depuis tout à l'heure je trouve des graines et j'ai trouvé un chapeau de fermier. Mais mon gars, mais soit il bug pas et il me viole, donc saute. Oh. Bien gentil, mais. Alors vous allez voir un même coup. Aïe 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 aïe. Putain je. Aïe. Ah lui il décide de bouger. Bim bitch. Putain vous voyez que ça fout du sang un peu de partout hein. Il lui donne un coup de poing, ça gicle mais. C'est une tomate hein le truc. Oh yes, j'ai une machette. Putain j'ai pas la place. Ah ouais mais j'ai que des graines en même temps. Je vais jeter une graine de cabbage. Eh mon gars, c'est moi j'ai trouvé un sac. Ouais t'es, vas-y t'es bon. Ouais t'es bon moi, c'est tranquille. La machette d'ailleurs j'ai jamais utilisé. Et mec d'ailleurs. Elle est tellement nulle. Bah mec en normal. Ouais. Sans améliorer la force pour le combat, tu prends le katana, tu donnes un coup puissant dans la tête, ça le one shot. Allez. Ouais. Justement, donc j'étais dans la ville, il y avait genre 10 zombies qui me suivaient. Et moi, je suis moins tout nu, j'ai trouvé une cape. Ah. Ah putain, ah non, mais la machette, gars, je viens de le tuer d'un coup. Ok, bah c'est moi qui sais pas m'en servir. Ah ouais, ouais, bah en coup puissant en tout cas. Hop là, je ramasse tout ce qui. NON! Oh non, me dis, mec, meurs pas. Non, 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 mais il m'a surpris. Genre, moi, tu sais, je peux pas avoir le son à cause de ma. À cause de ma feu. Bah, tu peux le mettre un petit peu, peut-être. À cause de mon installation pourrie, là. Mais pourquoi tu peux pas avoir le son? T'es pas sur ta tour? Mais non, je t'ai déjà dit que. Mais tu l'as pas rien. Mais. Non, non, elle l'accepte plus. J'ai une seule barre pour que ça fasse un seul téléchargement. Il me faudrait 3h30. Ah merde, d'accord. Eh, mon gars, et merde, je peux plus courir. Alors oui, ce jeu est dur quand vous êtes un noob comme moi. Ah oui, ce jeu est plutôt difficile. Bon là, tu l'as mis en normal.
Oui, t'inquiète, je ne sais pas. Ah, mon dieu! J'allais pas le mettre en hardcore, sinon aller se faire violer. Oh, ça va, hein. Hardcore, excuse-moi. c'est toi qui te faisais violer. J'allais. Il faut savoir que Val est vraiment mais nul à ce jeu. Quand j'étais mort une ou deux fois, elle était mort 10 fois, quoi. Bim, qu'est-ce et encore, si ce n'est plus 10. Eh, hey, je t'emmerde. Ok ouais. Oh mon dieu! Quoi, t'as trouvé une arme? Ah non, j'ai failli me faire tuer, c'est tout. Comme d'hab, hein, ça change pas d'habitude. Hein. Voilà, on va dire que ça rentre dans ton quotidien. Mais... Oh, mais c'est la famille, là, hein, c'est... Ah, d'ailleurs, gars, pour les baies, oui, parce qu'on peut trouver des baies, les rouges, les red berries, elles sont bonnes. Oui, alors que les autres, elles te foutent la... Elles font comme un effet de drogue. Je sais pas. Oh, yes, il y a un fut. Putain, je peux pas le prendre, j'ai pas cette place. Je sais de quoi je parle, parce que j'en ai mangé. Bah oui, j'étais avec toi. Il se passait des trucs chelous, là. Ouais. Oh, putain, il y a deux zombards, là. Des fermiers, ma gueule. Bon. Ah, bah ça va, mais mec, il faut deux coups dans la tête normal pour tuer un zombie. Putain, c'est que t'es... Oh, le fusil à double canon. Oh, le fusil à double canon. Ma bite et mes poings, donc, entre nous... Ah oui, mais au point, bah oui. Et un bonjour des points. Oh, ma gueule. Bon, désolé, je vais devoir virer les graines. Donc c'est pas maintenant qu'on va planter. Eh mon gars, moi j'ai un putain de sac. Et ben moi j'ai un fusil à double canon, je vais mettre un fut et j'ai trois buckshots. Enfin j'en ai 3 ou 4 que je vais ramasser. Donc c'est tranquille. Tranquille. Allez viens. Kilo Baptiste. Oui okay. Pardon, je suis désolé. Alors clac. Voilà. Mais putain mais je trouve que des arcs mais sans flèches. Allô le monde. L'inutilité, mais putain, vite! L'inutilité! Non, tu m'as pas touché, gros! Un scotch! Ce qui est chiant, c'est que là où je suis, il y a un putain d'avion, mais je peux pas l'utiliser! Ah ouais, c'est trop chiant! Et gars, je sais faire des coffres! Écoute! C'est vachement pratique! Hein. C'est super pratique parce qu'en fait, quand tu poses, genre, quand tu drops tous tes objets pour les poser parce que t'as pas de coffre, oui. Et quand tu te déconnectes et que tu te reconnectes, bah ça rip-hop tout, donc ça supprime tout et ça remet tout aléatoire. Donc, écoute, tout ce que t'avais par que terre, tu veux une cape. Une cape ouais, parce que je suis torse-poil en fait. Bah attends, j'en ai trouvé une par terre. Elles sont dégueulasses les capes. Ah ouais, elles sont trop laides. Bon, alors j'ai fait le tour, là j'ai fait les deux fermes et j'arrive à la ville à côté des fermes. Les fils de pute, comment ils veulent que j'aille là-haut, moi? Tu sais, il y a une putain de mitrailleuse tout en... Oh, attends, je vais prendre un deuxième sac pour toi! Meurs pas, c'est tout ce que je te demande. Putain, mais l'aéroport, putain, si j'avais une map, je pourrais te rejoindre, gars. Ou même toi, avec une map, quoique ce serait plus safe que je vienne, mais... Ah ouais, parce que toi, t'as un véhicule, c'est ce que tu m'as dit. Non, j'ai pas de véhicule, wesh. Alors moi, je vais faire ma technique de lâche, je vais monter sur le toit du... Ah, il y a un véhicule! Bah ouais, en même temps, je suis dans la ville. Dites-moi qu'il a des balles. S'il vous plaît. Putain, mec, il a 6 sur 6. Ah, bah ça tue. Ouais, évite de l'utiliser parce que ça étire les zombies en fait de tirer, gars. Mais c'est un truc de fou. Je sais. Ils viennent, mais ils viennent par milliers quoi dès qu'ils t'entendent. C'est un truc de malade. Mais ils t'enculent. Ah, bah, bon, pas forcément. Une fois que t'as la technique, hein, c'est bon. Quand tu t'appelles Valentin, si. Oui, non, mais voilà. Mais toi, t'es une merde, c'est tout. Tiens ta gueule. T'es méchant avec moi. Non, jure. Ah, j'ai trouvé un outfield. Ouais, sale moi fusil à verrou là. J'ai un arc avec une flèche et je vais Ah bah tiens, j'ai des flèches d'ailleurs, je peux te les passer. J'en ai 3-4. Allez, quand je te dis que j'allais rater, j'ai raté. Par contre, le seul truc où Val a de la chance, c'est qu'il tombe toujours sur des arcs ou des arbalètes, ça dépend. Arrête l'arbalète et one shot. Tu te rappelles la dernière fois Ouais, là, j'en ai une d'ailleurs sur ma partie. Tu vois. Ah oui. Oui. Sûr. En mode non, je veux pas te tuer. C'est pas en mode ça, en mode Mais si, au début, genre, oui, c'était. Début. C'était le. Waouh! Le film d'amour, et dans d'un coup, tu veux que je te tue? Bah, ouais, vas-y! De sang-froid. De sang-froid, ma gueule. Putain, tu me casses les couilles, wesh. Y'a le. Est-ce que tu le veux ton sac, oui ou merde? Ah bah oui, je le veux, merci. Alors, dis-moi que la voiture, elle a pas d'essence. C'est pas grave, je trouverai peut-être une. Un truc. Et gars, tu sais, il y a une maison, la maison là où il y a une arme dedans et que on peut pas y accéder parce qu'elle est complètement barricadée. Ouais. T'as remarqué quand même que les fenêtres du haut, elles sont pas barricadées. Ouais, mais comment tu fais? Ah, allez, s'il te plaît. Bah, tu prends des échelles. Ah, mais oui. Y a des échelles. Je viens de passer à côté, en fait. Et bah, écoute. Ok. C'est alors. Dégueu. Ouais, alors en tuant des zombies, on récolte de l'XP et cette XP nous permet de d'augmenter nos skills
dans plusieurs trucs. Je sais pas si alors, je vous montre. Ouais. Non, je vous montre pas encore parce qu'il y a plein de zombards qui arrivent d'un coup. C'est ça. Ils sont un peu chelous parce qu'ils bug de temps en temps. Un coup ils avancent, un coup ils avancent pas. Waouh, si, ouais, t'as raison. Je viens de me faire avoir par le putain de like. Putain, j'ai plus d'énergie. Allez, tu l'es, allez. Évidemment, je trouve les chargeurs et l'arme, je peux pas l'avoir. Oh putain, mais attends, ça va être horrible de jouer dans ces conditions. Mais non. Parti pour mais merde. Pour ceux qui aiment la randonnée, c'est un jeu pour vous, les gars. Grosse référence, ma gueule. Ouais. Grosse référence. L'échelle, on va la dropper parce qu'elle me sert à... Oh. Wesh, c'est bon. Non, moi, elle me servirait. Non, mais elle te sert. T'as pas de sac, j'avais oublié. Mais oui, de toute manière. Et j'ai besoin de bouffer, d'accord. Moi aussi, je... Oh, mais il y a un sac. J'ai trouvé un travel pack, je vais le prendre en attendant. Un travel pack, c'est lesquels? C'est avec peu de, ouais, de place, non? Mec, d'ailleurs, à l'armée. La base militaire, tu peux trouver les plus gros sacs du jeu. Ah ouais? C'est les sacs de militaire, mon gars. Au lieu d'avoir 4 slots, enfin, tu sais, 4. Ah ouais. Non, c'est bon, c'est bon. 4 colonnes, t'en as 5. T'as 5 grosses colonnes avec un peu plus de lignes. Donc, c'est pas mal. Alors, je vais réparer si possible, si je trouve un truc pour réparer le. Écoute, dans chaque ville, on en trouve une, donc. De quoi? Bah, de trucs pour réparer les voitures. Ouais, non, parce que là, tu vois, y'en a pas. Enfin, ni dans le. Mais qu'est-ce qu'ils ont là, putain? Ni dans le truc de gaz, ni dans la mécanique. Donc, je sais pas où est-ce que j'en trouvais, mais j'en trouvais. Ah, bah, y'a une voiture pas défoncée, donc c'est easy. Oh, oui, des vitamines. Elle est de quelle couleur, s'il te plaît? De quoi? La voiture. Pourquoi? Non, dis-moi la couleur. Elle est... Attends, faut que j'y retourne, putain. Elle est... Bleu. Bah t'es dans la ville où je suis mort. Ah bon? Oui, c'est ma voiture. Si elle a 9% de fuel, c'est ma voiture. Ah, bah en fait, c'est deux voitures bleues. Merde. Non mais c'est pas, je regarde pas. Non mais sans déconner, oh mais il a faim celui-là, hein. Il a faim. En plus, il comprend. Oh merde, moi, oh, je suis trop con. Hop là. En fait, j'ai... Putain, ah bah elle est là. Hop là. Ah. Hop là. Ah non, non, je cours. Oh merde. Des bruits bien dégueu. Oh, il me restait 20%, ils m'ont touché une fois, j'ai cru que j'allais vraiment mourir là. Bah écoute, si tu meurs, si t'as une arme, je la récupérerai. Hein. Ouais non, c'est trop la merde, il faut pas que je meure, attends. Ce serait con que pendant la vidéo je meure, le but c'est justement de survivre le plus longtemps possible. Ah, je vois tout en noir et blanc, cet arpin chiant. Ah, peut-être que dans le truc de policier. Oh oui, il y a une sale arme, mon gars. Et si seulement j'avais des trucs utiles. Oh putain, j'ai que 7 balles dans ce fusil, sérieux. La la la. Bon, écoute, si tu me croises, ne t'étonne pas. Oh mon dieu, je ramène la famille là. C'est ma grosse famille. Oui, je viens de traverser une ville là. Oh mon dieu. Alors, vous voyez, j'ai 10% de vie, je tremble comme un connard. Moi aussi j'ai 25% de vie, c'est... Non, j'ai que 10% de vie. Ah, mais moi j'en ai 25. Ouais. C'est plus que toi. Non. Sérieux? Bah oui, écoute. Oh merde. Ah, mais j'ai trouvé des bandages. Et des antibiotiques. Et des antibiotiques. Et la et vie des purification de tablettes. Et la vie de moi, qu'il y en a 3 devant moi, derrière moi, là. Je te promets, ils ont plus faim que les autres, là. Ils sont en train de me renifler les fesses, c'est un truc de fou. Miam, miam. Mais c'est limite ça, tu sais. Regarde ton cul là, ils disent le bon petit cul. Oh, j'ai trouvé une lampe torche et la putain de Fire Axe. Donc je vais virer la machette parce que ça me sert à rien. Clac. Comme ça. Mais en plus, la Fire Axe, elle est trop bien parce qu'elle coupe du bois et en même temps, bah, elle défonce tout. Je tenais juste à préciser que le mec qui a fait ce jeu n'a que 16 ans. Ouais. Alors, j'ai 8% dans une voiture bleue. Mm-hmm. Et dans une autre qui ressemble plus à une camionnette, j'en ai pas. Bon, bah, alors celle qui a 8%, c'est la mienne. Ça va. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du moldi, putain. Alors quand c'est moldi, on peut pas le prendre, hein. Et vous avez remarqué qu'il y a ma barre de vie, ma barre de faim, ma barre de soif, ma barre de santé un peu chelou, là. De maladie. De santé, ouais. Moi, je dirais plus de maladie. D'infection. Non. Oh, non, t'es sérieux? Bah, en fait, j'avais plus de stamina et j'ai pas vu. J'étais là, 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 et puis ils m'ont pris par derrière, hein. Oh. Bien, la ville du cargo.
Du cargo? Mais il y a genre un bateau? Oui. Ah merde, parce que je suis à l'autre ville, moi. Bah moi je suis tombé sur celle où j'arrêtais pas de crever, là. Ouais, génial. Tu sais, quand je courais... Ça présage que du bonheur. Attends, je regarde si elle est toujours là, l'ordre ou pas, parce que là, putain, j'ai rien à boire. Et là, il y a une camionnette rose. Oh, eh mais attends, c'est ma camionnette. Mec, la camionnette rose, c'était ma voiture. Ouais, ta voiture dégueu, là. Hé bah ça tue, écoute. Bon, ok, donc je sais où il y a ma voiture. Je pourrais la remplir en plus de fuel. Je vais donner des skills, voilà. Alors, vous voyez, j'ai 115 points d'XP. Et là, je vais m'augmenter le survival à bloc. Mec, c'est ce qu'il faut faire dès le début, en fait. Ouais, je sais. Ouais. Même quand t'as... Merde, je me trompe de tout. Ouais, tu t'en bats les couilles, tu mets survival à fond, parce que c'est le truc qui va te sauver la life. Oh. Et non, sans déconner, ça arrive qu'à moi. Le mec, il est sorti de nulle part. Il a commencé à me tabasser, comme ça. Ah. Et t'es mort. Allez. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Attends. Minimum de respect, putain. Prendre une purification tablette parce que je n'ai pas besoin de vous. Mais y a pas, oh mon dieu, y a pas un petit poste de pompier là? Si, bah si, dans toutes les villes y a des pompiers, gars. Vite fait, hein. Dis-moi qu'il y a de l'essence, au moins je pourrais tous les tuer d'un seul coup, allez. De l'essence? Oui, dans la voiture là, que je suis en train de zioter. Ah, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse foutre de l'essence par terre et foutre le feu. Oh mais... mon dieu, elle en a 16! Oh bah ça tue. Hop là, on va faire la technique du lâche. Écoute, enfin, sans te manger de d'arbres, Valentin, ce sera mieux. Alors, des jumelles, ça peut toujours servir, du scotch, des clous, des boulons, pas la peine. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pierres qui sortent du sol, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, scootback, c'est de la merde. Il y a un putain de club de golf. Eh, hey, ils font mal les clubs de golf, hein. Ouais, ça fait très mal. On dirait pas, genre, dans un autre jeu du même type, on va dire. Ils sont vraiment nuls, les clubs de golf. Ah, et c'est dans quel jeu? Dans State of Decay. Ah, oui. Le mec, tu sais, la poêle à frire, elle pèse 8 kilos. Ouais, la poêle à frire de 8 kilos, quoi. Mais qu'est-ce que tu mets dedans? Enfin, c'est un wok, le bordel. Ouais. Je sais pas. C'est la poêle qu'on a cassée la dernière fois. Bah ouais, non, mais ça va, elle est genre deux fois plus grosse. Oui. En plus, c'est pas une grosse poêle à frire en plus, hein. Oh bon. Mec, j'ai trouvé l'energy drink. Eh bah écoute. Oh oui, j'ai trouvé des haricots. Haricots sense? Yes. Sur ma gueule, c'est bon. Ouais. Non, tais. Pardon. C'est solaire. Ok. Non, je veux de l'argent! C'est frustrant, genre tu vois qu'il y a écrit 1000 boules dessus, quoi, genre j'ai tellement envie de les prendre, ça te sert ouais à rien, mais... Oui, mais c'est toujours ça. Ça sera moins complexé comme ça. Je vais prendre le outfit, parce qu'il y a respect, quoi. Et en plus j'ai un bonjour clip, donc logiquement... Et genre j'ai gâché tout mon carburant à tuer tous les zombies. Pour être sûr de pas mourir. What? Ah non, le bonjour clip, j'ai pris, il a rien. Fuck. Mais t'en déconnes, mais. Il y en a combien? Et là où tout ça te conduit, insomnie. Les histoires qui craignent deviennent banales. Allez, fils, file, vis ça, fissa, va vite au lit.